Là, avec cette nouvelle version, on ne s'ennuie pas. Ah oui, l'implant, c'est vrai. Ah oui, là je suis en train de me noyer là. Ah! J'ai bien fait d'aller me noyer. Il y a un digicode. Oula, ça chauffe. Attends, je suis en train de bidouiller mon téléviseur pour vraiment avoir un bon rendu parce que... Voilà, ça change rien mon histoire. Encore que si je regarde le ciel, là je vois bien les nuages.
Oula. Je vois pas comment je peux faire mieux pour bien voir. Ça va être balèze. Oula. Oh, il l'écrase l'autre. Ah, l'autre. Je te vois mal, ma couille. La transmission radio est mauvaise. Ah ouais, d'entrée de jeu. Putain, j'aurais des super bras, je prendrais le barricade en béton, je le balancerais dans la gueule du terroriste. Tiens, attrape! 100 kilos. Voilà, infiltration. Ok.
J'espère que je verrai son ombre portée sur le sol, que je lui saute dessus au bon moment. Succès échoué, Thesis War. Quoi? Bon bah je démarre bien. Cela, à mon avis, je peux pas m'en approcher. Je vais essayer, mais j'y crois pas. Ah ouais, réaliste, 2 balles, je suis mort. Je suis censé être augmenté, hein. Donc, je suis censé être un surhomme. Oh putain, ça déconne zéro. Ok, c'est la punition, j'ai. Ah, il n'y a qu'une seule touche qui marche, c'est celle de faire du bruit. Très con. Voilà, c'était Deus Ex. Mais attends, parce que franchement, je vois que Puig, quoi. C'est juste l'horreur. La photo satellite de Liberty Island. Ouais, alors, objectif principal, l'attaque des NSF semble être commandée depuis la statue. Entrez-y et trouvez plus d'informations sur nos ennemis. Objectif secondaire, rencontrer l'informateur de l'UNETCO, Harley Philbin, sur le quai nord. Il a le code des portes de la statue. Et autre objectif secondaire, l'un des meilleurs agents de l'UNETCO est retenu prisonnier dans la statue. Libérez-le et il vous prêtera main forte contre les NSF. Oh mon Dieu, je peux même ajouter moi une note? Oh là là. Ah oui. Merveilleux ça.
Ah oui, je savais même pas que j'avais un nombre de charges limité. Ah merde. Eh ben dis donc. Ah mais c'est un terroriste, j'avais même pas vu. Ok, c'est un snipe. Génial. Méfie-toi. L'action va arriver plus vite que tu ne le crois. Ah oui, on est en sécurité. Y a rien d'autre? Oh. Oh, c'est bon ça. J'ai trouvé de la soja. C'est quoi ça? Des jumelles, oui. C'est parfait ça. Attends, faut que j'organise mon inventaire. Non. Non, bah les jumelles, je les mets là, moi. Oh yeah. Ah, je peux pas zoomer? D'accord, c'est vraiment le truc. Ok, c'est binaire. Ah, cette lune. Alors, le chef des terroristes est là-haut. Faudrait que je monte dans ce bordel plus tard. Mais c'est pas pour tout de suite. Je n'ai pas pour tout de suite. Alors, à l'angle, espionnage. Trop bien, j'ai la description. Un terroriste à moins de 50 mètres. Pas bon ça. Il est seul ou... Apparemment. Non mais sérieux, il reste statique le gars? Thank you.
Ouais, ils sont plusieurs. Dommage. Ah, soupir. Un mercenaire. T'as le mérite d'être intéressant. Oh, il y a du beau monde là-bas. Il vient vers moi, ce con. Est-ce que je peux m'approcher pour les espionner? Telle est la question.
sont hyper sensibles. Enfin, j'aille par là-bas. Là. Il y a un jeu de caisse, à mon avis, on peut monter à l'étage supérieur par là. Faudrait que je le fasse tout à l'heure. Ah, d'accord. Robot vigile. Mais c'est un copain? D'accord, ce sera un copain. Je suis bien content que tu sois avec moi, toi. Le contraire m'aurait bien enquiquiné. J'ai pas compris qui m'a snipé. Ça fait flipper. Ça fait grave flipper. Bon, je vais essayer d'y aller à la matraque électrique.
il a une arbalète avec des tranquillisants. Ça va me servir. C'est surtout que j'aimerais avoir un énorme point de vue. Merde! Putain, si j'arrive à monter droit. Ah. J'aimerais tirer sur le bidon d'explosifs avec la lunette. Oh putain. On voit que je suis un novice. Avec un peu de chance, les autres n'en ont rien à péter. Oui, ils en ont rien à péter, ils ont rien attendu. Alors que c'était dans le parc. Bon. Ah, mais il y a un truc par là. À ce point? Vous avez les mains pleines. Oh. Ah. Alors, arbalète électrique. Puis il y a différents types en plus. Changer de munitions. Tranquillisant. Ah ouais, fléchette anesthésiante. Alors déjà, l'arbalète miniature a été spécialement conçue pour les opérations d'espionnage et peut utiliser diverses fléchettes normales anesthésiantes ou incandescentes qui peuvent être changées au cours des missions. Alors les fléchettes anesthésiantes, des fléchettes d'arbalète miniature enduites d'une variante diluée de rhyacine qui blesse grièvement les cibles molles avant de se dégrader en composants organiques indécelables par la plupart des tests de dépistage toxicologique. Putain, c'est énorme! La liste des mêmes munitions. Ah ouais. Trop bien. Ouais, fléchette anesthésiante, ouais. Oh, bah j'ai tiré une super balle. Ouais, une balle de 30 mm.
De par leur rapidité et précision de tir, les fusils à lunettes utilisant des balles de 30 mm, enfin 30,06, sont devenus les armes favorites de tous les tireurs dont la devise est une cible, une balle, depuis plus de 50 ans. Et les balles de 10 mm, alliant une puissance de tir exceptionnelle à un recul très faible, les pistolets conçus pour utiliser des balles de 10 mm sont devenus des armes secondaires indispensables pour les forces paramilitaires du monde entier. Ah oui! Ah oui, il m'a vu. Quoi? Oh putain, les deux fléchettes, je les ai tirées sur le mur. Oh, c'est nul. C'est quoi ce système de visée à la con? Je les ai plantées dans le mur. Oh, j'ai merdé. Putain, j'ai merdé mon saut. Incroyable, mais vrai. Attends, c'est qui est lui? C'est un mercenaire. D'accord. Putain, mais c'est inouï, ça fonctionne même pas. C'est incroyable. Bah oui. Je comprends pas. Il faut que je sois collé à ma victime, là, c'est complètement dingue. Je pensais que j'avais de la portée. C'est nul. Ok. Je suis nul. Merci. Ah oui, non, c'est pas. Je pensais que j'avais une matraque pour l'assommer, mais même pas quoi.
Alors, biocombinaison, une combinaison protégeant d'une kyriade de dangers environnementaux comme les radiations, le feu, les toxines biochimiques, l'électricité, les impulsions électromagnétiques. Les biocombinaisons contiennent un agent bactérien oxygéné qui se détériore avec le temps. Elles ne doivent pas être réutilisées. Waouh! Ok. Ça me rappelle des souvenirs. Je lui ai tiré quasiment à bout portant à la tête. C'est quoi ce merdier? Voir si ça marche. Il m'a même pas vu ce con. Un succès échoué, The Inevolable Sacrifice. Il m'a fait super mal en plus, ce con. Non, ça va pas. Ah, fait chier. Mais elles sont inefficaces, ces fléchettes, merde. Putain, je veux bien croire qu'elles sont pas instantanées, c'est logique, mais. Si je fais ça, je vais me faire forcément repérer. Je sais pas ce que c'est. Tant que ça fait ses effets. Oh!
faut attendre une éternité. Oh là 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 là. Est-ce que je l'ai touché? Je pense pas. Non mais c'est catastrophique, hein. Si seulement je pouvais neutraliser sans tuer la classe à la Rainbow Six comme je le faisais avant. Enfin non, j'ai des conneries, j'étais obligé. Non, je tolérais les blessés dans mes rangs mais pas les morts, c'est différent. C'est bien ça. J'avais oublié que j'avais programmé ça. Ça va beaucoup m'aider ça par contre. Comment je fais pour recharger? Je croyais que j'avais programmé une touche pour recharger. Non mais l'arbalète, tant que j'ai pas une lunette, je pourrais pas. Il me faudrait une lunette ou un laser, c'est pas possible. Je me cache derrière le baril, il me voit ou pas? Avec un peu de chance, il me verra pas. C'est quoi ça? Des roquettes? Oula, il est déjà là. Il ne m'a pas vu.
Non, j'y arriverai pas. Non mais comment qu'il a glissé l'autre? Il a même glitché. Faut attendre que la fléchette fasse effet. J'ai merdé, mais ça devient de plus en plus marrant. Attends, il est où l'autre guignol? Ah, il est à l'opposé. Oh le con! Il m'a pas vu! Elle est bonne celle-là! Alors celle-là, je m'y attendais pas du tout! Je prends du soda. Ah, SDF. Les fléchettes m'intéressent.
grande tasse de café. J'aime bien le café. Je serais vilain, je suis prêt, mais bon. C'est une nécessiteuse, ça ne se fait pas. Ah, oh, j'ai mes nouvelles fléchettes. Oh. Ah, c'est des fléchettes miniatures. T'en sais quoi? C'est pas des anesthésiantes, apparemment. Ah, ouais, c'est des fléchettes qui. Fléchettes. Les fléchettes permettent de points et l'arme indispensable pour toute opération aquatique. Tuer en silence requiert néanmoins beaucoup d'adresse. J'avais remarqué. Problème, c'est que là, je les tue pour de bon. Je voulais des tranquillisantes, mais bon, tant pis. Je peux vous prendre la température? J'ai un digicode alors. Ah, les torches peuvent me servir. La chaise, non. Une roue de gouvernail. C'est beau! C'est beau, c'est beau. Ah, ça va plus vite. Allez, qui joue à la roue de la fortune? Tic, tic, tic. Allez, 500. Combien de lettres? Quelles lettres? Surtout ça. Un extincteur. Attends, ça peut servir. Pour les feux d'origine chimique. Ça peut-être me servir. Parle. Mais je peux faire du commerce avec les messieurs dames? Ah, elle propose le reste. Non, non, merci. Ah, c'est gentil, mais sans façon. D'ailleurs, je peux avoir oui, des modes, des augmentations, moi. Bon, là, j'ai que Puik, mais bon. Ah, mon torse a été touché. Par quoi, je sais pas, mais.
C'était sûr que l'autre allait se faire buter. En se barrant, il avait creusé la route de. J'ai fouillé son cadavre. Mercenaire. Des fléchettes. Alors, des fléchettes, oui, mais de quel type? D'accord. Bon, en fait, j'ai un max de fléchettes. Ah. Merde, j'ai tiré une fléchette, putain le con. On recommence. Non, là j'ai été nul. Du coup, avec l'autre, je vais être plus diplomate. Ça pue, sortez vos plus belles. Oh, cette physique de fou. Donc je vous prends vos torches. Ah, mais il y en a d'autres par au-dessus, j'avais pas vu. Je peux pas troller. Ah non, je peux pas troller. New York, New York, Alors, anecdote connue de ceux qui suivent l'excellent travail de Maxime Robinet avec les fonds de l'affaire.
En fait, pour des raisons de mémoire et de taille au niveau de l'image de fond, c'est bien New York. Alors qu'on est dans le futur, je sais plus, en 2050 ou en 2100, je sais même plus moi-même, non, 2070 d'ailleurs. Le World Trade Center, les deux tours jumelles ont été effacées volontairement, alors que le jeu est sorti un an avant les attentats du 11 septembre 2001. C'est dingue, mais c'est comme ça. Le jeu avait pas besoin de ça pour être reconnu comme mythique. Un incontournable à avoir dans sa ludothèque. Mais en plus, l'histoire aura fait que. Il était un jour avant l'heure, ah oui, que j'aille fouiller le mercenaire qui s'est fait trucider par le robot. Putain, quand je pense que ce con ne m'a même pas vu. Faut que je sauvegarde moi au lieu de gambader comme si j'étais dans la petite maison à la prairie. Il n'y a pas du matériel à droite à gauche? Il n'y a pas de matos, c'est rien. Ah, je suis obligé de le tuer, je peux pas l'assommer avec un pied de biche. Non, mais tu parles pour ça, non merci.
Merde, il m'a vu. Ouais, je vais recharger parce que... Oula, il y en a des morts. Il avait quoi lui? Des fléchettes et lui? Des balles, bah décidément, c'est la mode. C'est con à dire, mais c'est la SDF qui est la mieux équipée, merde. Dingue ça. Je dis non, non, non. Je vais recharger, parce que je fais nappe. Je joue façon caca boudin. Et c'est pas bien. C'est quoi ça? Oh putain, il a des lunettes. Attends, attends, attends. Attends, juste pour tester. Ah oui, bah c'est le truc de l'entraînement. D'accord. Ok. Le gars il m'a même pas vu. Ah ouais. Le gars est mort comme un caca inutilement. C'est moche ça. Non, ouais, pas de matériel, rien. Ces trucs, c'est trop bizarre.
Ah merde! Le robot est revenu plus vite que ce que je ne pensais. Je pensais qu'il était loin derrière. Non, tu ne m'as pas vu. Ah, que c'est drôle. Oh putain. Oup, 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 oup. Ah oui, il est reparti. Sais pas, on peut toujours la tenter. Oh putain. Oh. Il ne m'a pas vu.
Merde! Il a un angle de vue un peu trop prout-prout. Mais je suis sûr que je peux passer sans me faire voir. Hop là, je prends une torche au passage. Oh non! Mais grouille, le robot va revenir. Attends. Non. Putain, j'ai eu le culot de quand même pénétrer une fois en prenant une torche en plus au passage. Vous êtes chiant, j'allais gagner. Pourquoi il a choisi cette trajectoire, lui? Attends, le plafond est vitré, j'arrive à voir là. Sérieux? Oh merde, je me vois. Le plafond est lustré comme un miroir. Ça, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra. Il y a même du matos là-bas. Je prends tout ça. Oh. Quoi? C'est quoi ce sigle? Hein? Santé, pharmacie. Caisse de matériel médical. What the fuck? Un PS20. Qu'est-ce que le PS20? Ah, d'accord. Pistolet à une balle, ça. Le PS1 est un pistolet jetable de 10 mm à un coup, comprenant un silencieux, très utile pour les agents qui souhaitent prendre le moins de risques possible. Sympa. Merci pour le cadeau. C'est ce que j'avais vu à l'entrée.
Je suis là. Le truc sert à rien, mais c'est rigolo. Je suis tout proche et vous devinez, vous pouvez pas deviner ma présence. Peut-être le robot aussi. Ah oui. Le robot a deviné ma position. C'est bien, c'est cohérent et c'est drôle. Aïe 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 aïe. J'ai merdé mon infiltration, j'ai pas l'air couillon. Je sais pas ce qu'il faut. Yeah. Il y a un mec. Oula. Attention. Non, je vois plusieurs. C'est quoi ça? Alors, camarade, j'ai reconfiguré les mitrailleuses autonomes de défense et les caméras dans les ruines de la statue. Une défense sommaire, mais comme on ne reste pas pour le dessert, ça devrait aller. Le login pour les consoles de sécurité est NSF001, mot de passe, Smash the States. Oh merde. Chabit. Quoi? Terroriste, oui, bah oui. Je te fais un chabit. Oui, bah j'ai récupéré le mot de passe. Presque. J'ai failli passer sans qu'il me voie.
coucou. Ah, c'est con. Ça fait rire que moi, mais bon. Pipi. Tiens. Ah ouais. Ah, ils m'ont vu. Il m'a vu, l'enfoiré. Si je suis là, il me voit ou pas? Non, tu n'as rien vu. Oublie-moi. Oh non, il m'a vu l'autre. C'est vrai qu'il y a une caméra là-bas. Oh! Alors j'avais pas vu, mais il y a une caméra. C'est con à dire, mais j'étais mieux de l'autre côté. Si je cours, il me repère même pas. Ce con m'a même pas repéré. Putain. Je viens de courir comme un gros dératé. Pfff.
c'est bon ça. C'est très très bon. En fait, j'ai pas piraté le bon terminal. Mais c'est très très bon. Il m'a semblé qu'il allait dans la direction opposée. Je deviens fou là quoi. Voilà, là il se casse. Hop là. Tant qu'il n'y a personne. Oh merde. Comment je peux faire? Oh putain, il a brisé sa chaise, le con. Comment je peux faire pour les divertir, les Mickey? Oups. Coucou. Ah merde, je suis fait comme un rat. Oh merde. Ça peut m'aider, mais je vais être contraint de... Coucou. De faire une capture d'écran. Attends. Vous êtes sérieux, les gens? C'est quoi ce délire? Ça met nous, ça, sinon? On est où, là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il n'y a pas de caméra. Ah, il y a de la lecture. Ah non, c'est un soja. Non, la poubelle va rien me porter du tout. Quoi? Serrure 10% à passe-partout. Résistance? 67 minutes. Passe-partout. Je sais pas si ça valait le coup, mais... Oula. Peut-être passer par là, moi. Mais j'ai pas besoin de la lumière.
Ouh, il y a des trucs. Infocube. Il y a tellement de gens qui utilisent ce distributeur qu'il est à sec 90% du temps. Mais si ça fonctionne, sers-toi. Tu auras peut-être besoin d'un peu de liquide pour la petite descente en ville. Ne laisse pas les touristes te gâcher la vie et ce soir, ma chérie. Numéro de compte 230 023, code 4558. Jonathan, ton futur mari. PS. J'étais sérieux l'année dernière, je vais t'épouser dans la statue. C'est là qu'on s'est rencontrés et tous nos amis y travaillent. Bisous. Ah, d'accord. Oh merde. Oh, sympa. Oh merde! J'ai cru qu'il m'avait pas vu! Excellent! Ah, trop rigolo! Mais est-ce que je peux me foutre de leur poids? Alors, une torche approuvée à base de nitrate et de potassium d'une puissance solace de 30 000 candélas. Oui, 30 000 bougies, d'accord. Conçue pour les signaux de détresse des marchands maritimes et la signalisation de vos tirs civils. Ouais, le sacro-saint passe-partout.
Oui, c'est dur. Hein, là. Cocheter de la serrure. Oh oui, il m'a pas vu. J'y étais presque parce que... Ah merde, je redémarre là. Oh là là là, faut que je me retape tout. Oui, alors attends, je vais ouvrir le... Voilà, avec le passe-partout. Bon, il est vrai que courir ne sert strictement à rien. La Ziza, je te veux si tu veux de moi. Oh. Oh merde. Bah, j'ai pas le droit de sauter. Ah non, c'est trop. Mais non, t'as rien vu. Ah oui, j'avais dit que je me foutrais de leur gueule. Pa 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 la pa 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 la pam. Pa la pam. Cadeau. Non, quelqu'un qui balance une torche comme ça au milieu de la pièce, ça peut n'être qu'un fantôme. C'est bien connu. Oh les cons. Mais non, il n'y a personne. Voilà, ils sont nombreux, ces cons. Je vais faire comme dans le tuto, à l'entraînement. Je vais prendre un malin plaisir de les prendre pour des imbéciles et bloquer leur voie de circulation avec des objets.
Voilà. Quand on est malin, on fait ça. Oui, c'est sûr. Là, t'as entendu quelque chose. Ah ouais. D'accord. C'est bien, ils sont moins cons que ce que je ne pensais. Donc là, je la pose. On est d'accord. Merde. Ah bon? Oh. Je pensais qu'il avait un chemin plus prout-prout. Ah mais merde, une corbeille qui se déplace toute seule, est-ce possible? Ah non, je l'ai pas bloqué. Si... Oh putain, il m'a pas vu, c'est énorme! Ah non, il m'a vu. Oh, c'est chiant qu'il y ait le mec à cet endroit-là. La caméra encore, je dis pas, mais...
Mais merde! Comment il le sait, lui? Je comprends plus là. C'est juste que j'ai lancé une torche, mais... Merde! Je me suis trompé de touche, oh là là! J'avais le choix entre clic gauche et clic droit et j'ai fait clic gauche. Je voulais ranger mon arme mais pas l'utiliser. It's nothing.
Oula. Oh non, il m'a vu. Oui, masse de caisse. Hein. Oh merde. Depuis quand il pète les corbeilles? Non mais je rêve. L'autre il a pété la corbeille de rage. C'est nouveau ça. Ça vient de sortir. Les bandes de naze. Merde, lui il m'a repéré. Salaud! Enfoiré! Yes! Vous ne m'aurez pas! Vous ne m'aurez pas vivant! N'importe quoi! Mais comment ça les excite les torches? Putain, je suis sûr que j'en mets une là, les autres ils viennent. Avec un peu de chance. Ah non. Il m'a pas loupé. Lui il est toujours là. Hop là. Ils sortent de leur trou ou pas? Oh,
Oh, ils sont chiants. Ah, que c'est balèze, merde. Ah merde. What's going on? What's going on? Bidi bidi di. What's going on? What's going on? Sans ma couille. Pam 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 pam. Je vous vois. Combien de fois je serai mort? Je vais avoir des stats à la fin de la. Pff, je serai mort 2000 fois. Bon, il y a lui, d'accord.
Et si la soluce c'était celle-ci? Même la caméra, elle m'a pas repéré. J'ai désactivé la caméra. Sont très polis, hein. Ils attendent avant de tirer. Ça, c'est moche. Ah merde, il est revenu à sa place, lui. D'accord. Oh putain, il m'a vu! Pas con le mec. Il m'a vu. Excellent. Oh putain, le salaud, il m'a pas laissé de chance. Il était en alerte, il m'a dégommé. Attends, c'est le journal ça? Oh là, je le lirai après. Je le lirai après. Si je me lève et que je me casse, j'ai gagné. De toute façon, dans tous les cas, il les tue, alors je vais lui céder mon pistolet. Hein.
Ouais, prends mon pistolet, va. Moi je prends du vin. Ah non, me tire pas dessus. Je suis innocent. C'est pas moi qui ai foutu la merde, hein, c'est lui. Ah, ils ont rétabli les caméras de... Voilà. Il y a du vin. Du pain, du vin, du boulsien. Ah bah c'est bien, ils ont refermé la porte. Pistolet. Oh merde, j'ai écrasé le rat. Le rat avec quoi? J'ai la carcasse du rat. Tiens, ça va puer. C'est gauzeux. Ah, c'est pour ouvrir la porte. Drôle d'interrupteur. Donc les autres sont morts, je présume. Ah, miroir, mon beau miroir. Que je suis beau, que je suis beau, j'ai réussi ma mission. Enfin, en partie. Ce joyophilisé. Hop, les chaises, on s'en fout. Tiens, barrage de chaises, ça vous fera les pattes. Ah, j'avais dit que je lirais le journal. Je l'ai bien mérité. Alors, les news. Alors, si l'écran du tube veut bien se barrer, là, la note enregistrée. Ouais, bon, tant pis. Deuxième, voilà, une leçon pour le président. Réseau Family News, éditorial de Dave Wary. Alors, lorsque les autres gamins de l'immeuble m'élirent démocratiquement roi du monde, un poste heureusement réservé aux moins de 8 ans, mes premières mesures eurent pour le but de le renforcement de mes pouvoirs. Je prohibais immédiatement l'éventualité de toute nouvelle élection, me réservant ad vita aeternam la charge de roi ainsi qu'à mes descendants jusqu'à la nuit des temps. Je ne me souviens pas de toutes les injures philosophiques dont on m'accabla alors. C'est pas juste, normalement, notamment. Ou encore, tu peux pas faire ça. Et que je répondis-je alors, ouais, je peux, je suis le roi. Les débats ultérieurs furent plutôt houleux. Et même Gretchen, ma très chère Gretchen avec ses six jolis yeux verts, les aida à me planquer au sol, à me plaquer au sol, pardon, pendant que les autres revendiquaient leur droit au trône à grands coups de bâton. Avec seulement 35% d'opinion favorable après le fiasco du financement des Nations Unies, le président Mate devra réfléchir au fait que ces gamins et des millions d'autres libres penseurs ont désormais l'âge de voter. Qui veut donner le premier coup de bâton? Alors j'étais déjà motivé de lire, pas forcément de vive voix, les coupures de presse, toutes les infos textuelles du jeu, parce que ça fait partie de l'œuvre. On va pas gâcher l'eau.
Et là, comme ça a été intégralement traduit en français, je vais me faire une joie de toutes les lire. C'est moi ou c'est des mouches sur le cadavre? Oh, je vais faire une récolte, moi. D'accord. Il a fait un carnage. C'est mon choix. Que dire? Non, je pourrais récupérer l'extincteur si je le souhaitais. Mais parfaitement. Oh mon Dieu! Ah, c'est les nouvelles de Versailles. Sherlock Fulman. Sherry Fulman, ouais. Putain, tout sera quand même. Un petit soda. Un petit soda, daddy douda. Un petit soda, c'est la fête. Qui a du kaki collé au cucu, collé au cucu, collé au cucu. Ah, mais il reste des terroristes. Mais ils se rendent ou pas? Ah non, ils se rendent pas. Je croyais qu'il avait fait le ménage, ce con. C'est le bordel. Oh. Non, la mitraillette est encore en service, dommage. Dommage, dommage. Hop là. Qui c'est qui me tire dessus? C'est un bug, on m'a tiré dessus. Ah merde, ils en ont après moi. Nine, nine, nine. Oh merde! Oh le bordel! Ah, désolé le rat. Ah oui, d'accord, ok, j'avais pas vu qu'il y avait. Ok. J'avais complètement zappé. Mais je crois que je l'avais désactivé, non? Il va se faire buter l'autre. Bah oui. Forcément. Ah merde, mais c'est un terroriste. Oh les salauds. Mais en fait, Gunther, il fait mal son boulot. Il fait du travail de cochon. Je dirais pas comme ça.
Oh, il est pas mort lui. Attends, il y a un truc qui est bizarre dans le... Merde! Attends, je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il fait, Gunther? Va pas me dire qu'il se fait buter aussi? Je suis le loin. Da-di-da-di-da-da-da. Ah là, je comprends pas. Là, je pige plus. La première fois, il a fait un carton. J'ai envie de te dire, je veux bien, mais... Ah bah merde! C'était intéressant là pour le coup. Mais là, il n'y a plus personne là. Bon, j'ai plus besoin de courir. Mais c'est la merde, je te le fais pas dire. Oh ben non, il tire sur moi. Oh non. Oh la vache. Pas de répit. Hop là, il avait des balles lui. Alors, je tweak, je tweak. Ah, dommage.
Et sinon, je le tue, Gunther, ou pas avec les gaz? J'ai l'impression que ça lui fait rien. C'est horrible. Mais c'est intéressant d'exploiter toutes les possibilités. Mais pourquoi il vient de me voir moi? Ah, il fume plus. Pardon. Ah merde, attends. Oh merde. Alors moi par contre je veux bien regarder ce qui s'est passé.
en extérieur. Apparemment, le petit robot a pas posé problème à Gunther. Ça m'étonne. Merde, le voilà qui applique. Ok. Attends. Ah merde, il y en a un là-bas. Donc ça marche l'extincteur. C'est plus efficace que je ne pensais. Ah non, dommage. Ouais, c'est dommage. J'aurais aimé que Gunther me les élimine tous. Mais bon. Et les robots tirent pas sur Gunther? C'est surréaliste. Alors, santé, soignez auto.
Ah, je suis pas complètement rétabli. Quoi, il me voit de là. Oula. Tant pis, je voulais prendre des torches, mais. On a pu voir des portes qui se ferment aussi. Y a pas que les voix que t'entends. Hein? Oh là 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 là. Trop bien. Trop trop bien. Oui, c'est sûr que ce serait conquis des graffitis. Oui, alors du coup, c'est pratique les extincteurs. Je vais en prendre plus souvent. Prendre le soda, je sais même plus si j'ai pris le vin dans la prison. Non, j'ai pas pris le vin, je vais le chercher, ça vaut du pognon. Pour peu que ce soit un grand cru. Attends, c'était un mec ça? Ah non, c'était la caméra à la con. Ah merde, il est revenu lui. Ah merde, il garde un extincteur. J'aurais voulu avoir l'extincteur, moi. Oui, non, mais quoi, on s'en fout. Mais le gars, je lui passe dans le dos, il fait pas gaffe. Sans être accroupi. Coucou. Il croit que ça ne sait. Il est complètement con, le gars. Il est choqué, tous ses copains sont morts. Alors, il y a des matos, mais je sais pas ce que c'est. Mais non! Un décodeur. Oh merde! Elle m'a vu, la vilaine, elle m'a vu! Si je lui pique sa chaise, oh, j'ai envie d'essayer. Non, la chaise. Ah merde, dommage. Dommage, dommage. Hop là, je pique son soja, il a même pas vu. Pour lui, c'est la honte. Quand les mille mots, y honte, y honte.
Mais je suis pas sûr, j'ai récupéré le... Le matos de toutes les dépouilles là ou pas? Oui. S'il y a du matos, je vais pas m'en priver. Hein. Mais je rêve! Il m'a entendu ou je comprends pas. Parfois, il faut courir. À moi le sujet lyophilisé, à moi. Je me disais merde, je peux plus sauvegarder quoi que ce soit. Dans tes yeux, mon salaud, dans tes yeux. Y a rien d'autre? Tu m'as tellement fait chouer, hein, mon sagouin. Voilà, ça va faire 3 heures d'enregistrement avec tes conneries. Ah. C'est beau. Pa 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 la pa pa.
Alors, comment ça marche le nanoprisme? C'est dans les modes, je crois, non? C'est possible. Attends. Alors, les modificoprismes. Les modificoprismes regorgent de nanomodules rhomes de mécanocarbone en suspension dans un sérum porteur. Lorsqu'ils sont inoculés dans un autre compatible, ces nodules confèrent au sujet des capacités extrasapientales. Cependant, la programmation d'idoine des modifications doit être effectuée par un robot med. Ah oui, d'accord, je n'en ai pas à importer. Car dans le cas contraire, le sujet peut subir des dégâts mortels. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'œuvre de Kelly Chance, Le visage de l'homme nouveau. Peut ajouter muscle, microfibre ou force physique. Ne peut être installé qu'à l'aide d'un. D'accord. Blablabla. Oh là là. C'est magnifique ça. Bon, je lui ai fait une bonne farce. Une bonne bouteille de vin. Coucou. T'es un gros bidon, mon cochon. Ça c'est vrai. Moi je dis il y a des trucs de cachés. Structure instable. Ah bon? Toi t'as des yeux toi? Sinon c'est quoi l'objectif du coup? Oula, il y a un bug d'affichage. Pas bien. Objectif principal, retourner au QG qui se trouve du côté ouest de l'île pour un débriefing. Oui, bah c'est bien, je vais pouvoir faire ma récolte.
Ça y est, j'ai un bug, fait chier. Oh merde, 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 merde et merde. Meggy. Mais ne cours pas. Merde. C'est Gweze. Cigarette, barre chocolatée. Et je les ai gazés, eux, ils les ont butés. Bah. Torche, torche. Oh, c'est beau. Ah oui, je suis pas allé. Ah mais ils les ont tous éliminés quoi. C'est beau. C'est New York. Du, 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 New York, New York. Street of Rage. Il y a un truc là, mais je sais pas comment le traduire. Vorker, je sais pas. Exam. On avait dit qu'on ne courait pas dans les escaliers. C'est pas comme si j'étais déjà blessé. Pa, 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 pa. Pouk, 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 pouk. Oh merde, ils ont plus rien sur eux, c'est con. Attends, elle est désactivée ou elle fonctionne encore? Ah, elle fonctionne encore. D'accord. Ah. Merde, quel con, avec la paire de jumelles en main. N'importe quoi, le gars. Oh ben non! C'est con, j'aimerais bien me la récupérer, ça me ferait du pognon. Oh! Putain, c'est dur! Pourquoi j'y arrive pas? J'y arrive pas! Fais chier! J'y arrive pas du tout! Merde! Putain, c'est vexant! Ah, j'en ai une! Je vais essayer d'en avoir une deuxième. Oui, bien. Ah oui, c'est l'escalier pour se casser. Ah oui, il faut que je regarde la surface là aussi. Oui. Et la dernière? Ah non, il n'y en a pas. Finalement, je suis vilain, je cours. Attends, ça vaut le coup de faire le tour parce que s'il y a du matos et des cadavres qui ont encore des trucs sur eux, je prends.
oui, c'était là. La tête explosée là. Ouais. Vous avez trouvé un corps, mais c'est du matos que je cherche, pas des corps. Oh merde! Pff, soupir. Ça valait le coup d'aller au bout ou pas? Je sais plus. Non, c'est la pluie que je vois. Attendez, qu'il y ait des trucs sous les... Ah oui, il y a un accès. Et bah oui, là du coup c'est pacifié. Ah merde. Je voulais les prendre moi. Dommage. Même lui, il a été... Ah oui, d'accord. Putain, il a été liquidé sans sommation. Alors attends, je vais faire un tour rapide de la partie supérieure de la statue de la liberté. Voilà. Quelle étrange lumière! Que signifie? Ah oui, c'est un lampadaire. Ah, ils ont vraiment rien loupé. La faute à Donald Trump nous a fâchés. J'ai au moins ça. Elle casse pas quand la jette en l'air? Oh! Voilà. Bon, bah. Prout, prout, prout. Est-ce qu'il y a des objets que j'aurais oubliés? Non, c'était barré là. Non, oui, non, à partir de là, j'avais tout fait. Est-ce que j'avais fait le cercle intérieur? Ouais, non, il y avait rien, j'abuse. Il y avait que Pouic.
Un point restauré. Oh, il est hors service, mince. Oh, quel dommage. Hop là. Ah, mais non, mais non, mais non. Ah, j'ai encore le droit du matos. Oui, au matos. Oui, au matos. Alors, pirater. On s'exerce comme on peut. C'est rigolo. Ils sont enfermés dedans, les cons. J'aimerais bien revoir le l'indique, mais je sais plus où il est. Ah non, c'est mon merde, alors faut que j'aille l'opposé. C'est quoi ça? Je m'en souviens pas. Ça me dit rien. Eh oh! Attends, 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 tous les codes n'ont pas été fouillés là! Ils me racontent des conneries, eux. Ah oui, la suite se passe là, ouais. D'accord. Ah. Alors, pistolet lacrymo, chargeur. Ah, camarade. J'ai reconfiguré les mitrailleuses autonomes de défense et les camarades dans les ruines de la statue. Une défense sommaire. Mais comme on ne reste pas tous dans le. Ah bah oui! Ah oui, mais je l'avais déjà eu l'info là, sur un autre terminal. Oh la vache, il y en a des corps. Ça doit être un porte-drapeau. Ça, c'est à moi. Ah, je savais pas que j'avais repris des charges de merde. Con, si j'avais su. Ah, ça pour la prochaine mission. Ouais, les flèches anesthésiantes, ouais, c'est extra. Tiens, je me souviens pas de l'endroit. Verrouillé. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? 4 passe-partout. Ouais, j'ai pas du tout. Alors ça doit être un secret. Évidemment, je n'ai pas de charges explosives. Ah, c'est des grenades à lacrymo, ouais, tu parles. C'est pas des explosifs. Soigner auto. Moi que je trouve de. Ben non, c'est là. Ah, je sais pas, il y a des trucs, c'est trop bizarre. Non, c'est des. Des noiseaux. Ah, ouais, non, lui, je l'avais. Ah, ben non, oui, si, je l'avais fouillé.
Je vais aller revoir mon indique et lui dire qu'il a été fait prisonnier, mais pas abattu. Le contrat est rempli. Bon, c'est bien elle. Oh, non, merci. Ouais, je les avais dévalisés, les pauvres. C'est vrai, ça. Ah, j'avais pas fait le sous-sol. Attends, d'ailleurs, du matos là-dedans. J'avais pas fait le sous-sol. Mais j'étais un rat sous la pluie. Il y avait quoi ici? Ah, vieux souvenir ça. Alors, camarade géoconflit. Oh bah merde, trois fois le même. Ça finit par se savoir. Ah oui, avec un décodeur, tu passes. Mais si je fais ça, il se passe quoi? Ah, il me permet de monter. Pas sauter davantage. Oh merde. Ah non. Ah oh, écoute, si ça bouffe un décodeur, vas-y. Voilà, comme ça je passe. Alors, c'est quoi le cadeau? Cellule bioélectrique, ok. Ouais, bon, j'ai compris. Cache de matériel militaire. Accessoire laser! Oh yes! Alors un point de visée laser qui peut être utilisé pour visualiser le point d'impact. Cependant, il faut prendre garde à ne pas alerter la cible. Ouais. Ah ouais. Ah mais je suis totalement pour. Ah oui, ça va vachement m'aider. Trop bien.
Trouver un col avec les mouches qui vont avec Bulk. Bulk. Attends. Ah. Merde, mais je l'avais pas vu ça. Attends. Ah non, c'est une fausse. Putain, j'ai cru qu'on pouvait s'infiltrer. Ok. Oula, il y en avait des matos. Attends. Oula, il fait la nouvelle lui. C'est qui m'a bien fait rigoler ce con? Ah bah c'est cool. Ah oui non il est rentré dans la... Oui non je suis con, il n'y a plus rien ici. C'est qui lui? J'ai pas le code payé à les lunettes et ça me fait chier. Attends, je repasserai plus tard. Attends, il a de ces trucs lui. Merde, j'ai marché sur quoi? Des boîtes en plastique, d'accord. Boîte en carton, oui, mais c'est son matos. Ah, avec un décodeur. Merde, j'ai plus. Je n'ai plus rien. Accès refusé. Accès denied. Oh. Vous êtes chaud. Un passe-partout. Non, j'en ai plus des passe-partout, je crois. Ah, si, j'ai des conneries. Si, si, j'ai encore un passe-partout. Mais non, mais quel con. Ah, fléchette anesthésiante, c'est pour moi ça. Terminal de sécurité.
Rien d'autre. Alors, je suis chié. Hop là. Ouah. Bande de comiques. Ah oh, putain. Il faut vraiment tout explorer. C'est génial. C'est absolument génial. Putain, il y en a partout. Nanocode. Putain, je crois pas. Ne me dis pas que c'était le nanocode du machin. Grenade à impulsion. Oh, trop bien. Ok. Ouais, bah c'est cadeau, c'est peanuts. C'est peanuts. J'ai accès à tout, mes salauds, j'ai accès à tout. Putain, le rat qui fait flipper, quoi. Alors, Med défie le Congrès, AVR, Washington DC. Alors, défiant ouvertement le Congrès pour la troisième fois cette année, le président Med a pris la décision unilatérale de payer les dernières dettes des États-Unis aux Nations Unies. Les bons locataires se doivent de payer leur loyer ponctuellement, a-t-il notamment déclaré aux journalistes pour justifier sa décision. Une décision très critiquée par l'ensemble de la classe politique. D'où sort-il l'argent? S'est enquis le sénateur démocrate Reed dans l'Illinois. Vraisemblablement d'une ligne budgétaire pas encore votée par le Congrès, a-t-il encore ajouté. Les républicains ne sont pas montrés plus conciliants. Cette assemblée a été trahie et l'Amérique tout entière en même temps, a affirmé le sénateur républicain au Snow Liverpool de Californie. Le Congrès a consenti à approuver la présence sur le sol américain de l'UNATCO, mais nous n'avons signé aucun chèque en blanc. Non, monsieur le président. Une superpuissance ne paye pas de loyer et d'autant moins qu'elle est chez elle. Enfin, quand elle est chez elle. Chez Bao. Chez Bao, chez Bao, chez Bao. Un vase, un trophée. Mais Clinton, je me trompe? Président Fils-Maid. Ah. Non, mais je suis un clown, moi. Tu me connais, je suis un clown, mec. Ouais. Alors, je vais accéder à ton terminal. C'est complètement con. Qu'avons-nous là? Bon, sur mon email, là. Oh. Oh. Ah, si, il y a des trucs. Il y a des trucs, mais j'aurais pas le temps de lire, alors. Hein. Si je reclique dessus, il faut que je... Ah, j'ai pas vu, Infocube. Shannon, des munitions ont de nouveau disparu et nous avons dû changer le code de la porte du préfet de communication près de l'héliport. Ah putain! Il me donne le truc. Je te ship ton goûter, mon cochon. Ah non, je croyais qu'il y avait un truc.
Oui, c'est très funny. C'est très très funny. Oh, j'en ai marre de courir, putain. Oh là là là, le stylet. Ces couloirs. Ah, avec la musique géniale. Niveau 3. Je veux bien aller me faire soigner. J'irai dans mon bureau après. Me fait toujours rire, elle. Attends, ils peuvent m'expliquer comment je vais au niveau 3? Là, c'est la salle de réunion. Oh, non, c'est la salle du bureau du grand patron. Ah, voilà l'escalier. Gun range. Oh, il y a un terminal. Quelque chose à dire? Ouais. Voilà, médical, c'est pour moi. Couteau de lancer. Ah ouais. Il a bien un truc, un livre. Alors, règlement de l'UNATCO. Note de vise. Mais c'est du latin. Bon, joue le doctor. Ah, niveau 4. Comment on fait pour aller au niveau 4? Oh, je vois un nanocode. Clé du placard du labo médical ajoutée au nanosélecteur. Je le dirai la prochaine fois. J'ai le droit de m'asseoir, docteur? Send manually.
access to upgrades from standard augmentation canisters. I think I picked one of those up at the top of the statue. Maybe you did. My order from Versalite was on the ship the NSF captured. You'll need to take it to one of the medbots for installation. I'll do that. The canisters contain a collar with long mods. Some are generic upgrades. Others require you to make permanent choices about how to configure one of your subsystems. It's about time they implemented some of this stuff. Have you met your partner yet, Anna Navarro? I think she and Gunther are upstairs at the break room. Haven't run into her. A real piece of work. Maybe you should compare notes before the operation. You never know. She might go easy. Bon allez, je vais m'arrêter là. Je reprendrai je sais pas quand. Et tant pis, j'atteindrai pas le chapitre de tout de suite. Ah, oh, c'était trop bien. Alors, chapitre... je vais marquer 01 parce qu'il y en a 15 des chapitres. Débrief. Voilà. Je vais arrêter là, c'était bien.